Il y a tous les cas de figure, une fois de plus. Dans le cas de la collaboration heureuse, idéale, enfin idéale, pas forcément en termes artistiques, mais enfin humaine, en tout cas dans le processus de création, c'est ce que je faisais avec Claude Sautet, c'est ce que je fais avec Nicole Garcia, c'est-à-dire que le sujet est discuté oralement, dans un premier temps, les intuitions de sujet, disons, qui se rassemblent comme ça, qui se discutent, qui se parlent. Ensuite, moi, j'écris un texte court, un synopsis, un traitement plus exactement, pas synopsis parce que c'est sec, mais quelque chose, un peu comme une nouvelle, disons, une nouvelle assez écrite. Et puis naturellement, ben, le metteur en scène relit ça, rebalance ça oralement, etc. Bon. Et ensuite, ça circule et c'est censé convaincre producteurs, acteurs, déjà au niveau du traitement. Puis ensuite, on se jette dans le scène à scène. Et là, il peut y avoir de mauvaises surprises. Par exemple, sur Un cœur en hiver, on était très contents, ravis de notre traitement. Et puis quand on est arrivé à l'écriture, bah, il y a eu un trou de 3 mois où on ne savait pas du tout de quoi ça parlait. Enfin bon, c'est reparti après, mais bon. Mais là aussi, c'est un rapport effectivement privilégié avec le metteur en scène. On parle d'une scène longue ou de 2-3 scènes si elles sont plus brèves, mettons. Et puis elles sont discutées oralement. Moi, après, je me jette à l'eau, j'écris avec le souvenir de ce qui a été dit, avec ce que j'apporte d'accidentel qui est purement du domaine de l'écriture, quand on écrit et que brusquement d'autres choses apparaissent. Puis je rends ma copie et ma copie est plus ou moins appréciée. Et donc, elle est parfois approuvée par le metteur en scène, parfois elle est discutée, rebalancée, parfois elle est rejetée. Voilà. Mais ça s'écrit comme ça, dans ce cas de figure-là. À part ça, il y a des scénarios que j'ai écrits tout seul, dans mon coin, en connaissant bien sûr le metteur en scène, etc. Et bon, un film comme Les Décis Sentimentales d'Olivier Assayas, c'est moi qui l'ai écrit, mais je le voyais régulièrement et il me faisait part de ses remarques. Et puis, il y a carrément la réécriture, au sens plus mercenaire, disons. Là, par exemple, le film là, de Yves Saint-Laurent, je l'ai réécrit, oui. Je l'ai réécrit tout seul pendant 5 semaines. Je ne l'ai pas fait que pour des raisons mercenaires, je l'ai fait parce que le sujet m'intéressait aussi. Mais c'est, voilà, pour vous répondre, dans le cas le plus, là où il y a vraiment osmose de tempérament et de création, c'est en parlant, avec Nicole par exemple, c'est en parlant le sujet puis les scènes, moi les écrivant et les rediscutant avec elle, les remodelant au fil de l'écriture. Et puis après, c'est l'aventure du film, le montage du film, enfin le montage financier du film, les acteurs. Et là, bon, moi, j'ai pas de. Si, j'ai des idées de casting, oui, que je peux apporter, bien sûr. Et je peux aller sur le tournage un petit peu, et puis après revenir au montage, parce que je pense que, par contre, le scénariste a quelque chose à dire au montage. Et si le monteur ou la monteuse est éclairé, il saura le comprendre. Il ou elle saura le comprendre. Parce que là, le regard du scénariste a pris plus de distance. Il n'a pas été, c'est pas lui qui a tourné le film. Donc, s'il n'a pas une vision fétichiste et infantile de son propre travail au point qu'il veuille qu'il soit épouvanté parce qu'on a coupé telle réplique qui était pourtant bonne et intéressante mais qui ne s'y fera plus, eh bien il peut apporter quelque chose au montage de fort, oui, je crois. On les parle, on les joue. On essaye les mots et voir si ça sonne juste. En plus, elle est actrice. Mais moi, je les joue aussi, ou même quand je suis tout seul, je le joue. Je joue.
je vous sens tout très bien, mais enfin, ça m'aide à parler le film, à ce qu'il soit en bouche, à ce qu'il ait une vérité, un son. Une vraisemblance aussi du personnage. Vraisemblance, enfin une vérité, je dirais. Pas vraisemblance au sens de la convention dramatique. Et une vérité profonde, quelque chose, voilà, on commence à en déterminer quand on approche un personnage, on se dit, voilà, d'abord c'est une silhouette floue, c'est un désir de personnage, et puis on se dit ces choses, des petites choses, on se dit, tiens, il pourrait avoir telle habitude, tiens, il pourrait dire ça qui est parfaitement banal, c'est pas une phrase immortelle sur l'existence humaine, c'est... Et puis brusquement, le son du personnage apparaît, les mots vont se cristalliser sur ce personnage qui se précise, mais qui va devoir garder jusqu'au bout une forme de mystère, car il ne s'agit pas d'élucider au sens psychologique le personnage. Ça me paraît un chemin un peu sans issue. Le personnage, c'est quoi le personnage de cinéma? C'est à la fois la proximité, puisqu'il est là, on voit son visage de très près, son souffle, et puis c'est aussi son mystère, voilà. Les gens qui n'ont pas besoin de scénariste, ça existe. Éric Rohmer, il n'avait pas besoin de scénariste. Il a écrit tous ses films, le moins qu'on puisse dire. Et il a été prolifique. Un homme, à un moment donné, comme Bertrand Blier, n'avait certainement pas besoin de scénariste. Bon, Billy Wilder était un scénariste, mais enfin, il travaillait toujours avec un autre, quand même. Bon. Donc voilà, oui, qu'est-ce qu'ils ils ont visiblement besoin de quelqu'un. Ce qui est terrible, c'est quand on tombe sur un metteur en scène qui a besoin simplement d'un interlocuteur, mais d'un yes man. Alors ça, c'est terrible, parce que là on est complètement anéanti, parce que j'en connais un, par exemple, qui est un ami à moi, mais je ne peux pas travailler avec lui parce que il y a un désir de... Oui, je peux vous dire qui c'est André Téchiné. Parce qu'en fait, il a besoin d'un interlocuteur, il a besoin d'un partenaire, il a besoin de quelqu'un d'à peu près intelligent pour discuter ses sujets, mais ensuite, il faut que tout vienne de lui absolument. Donc, chaque chose qui sera proposée par l'autre... par celui dont il a pourtant besoin, sera forcément atomisé, anéanti. Et au bout d'un certain temps, évidemment, c'est un peu compliqué de continuer. Voilà. Mais autrement, des gens comme Sautet, etc., sont des gens qui vous laissaient là... puis quelqu'un comme André, dont je parle, il écrit lui-même. Des gens comme Sautet, comme Piala, comme Nicole, ils n'écrivent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas co-signer leur scénario, naturellement. Et qu'ils n'ont pas leur univers, mais ils n'ont pas l'expérience de... Enfin, moi, j'écris à la main, mais ça voilà. Ils peuvent le sauter, par exemple, qu'il y avait une fiche, que d'ailleurs je n'ai jamais lue, où il avait pris des notes et où, avec des couleurs comme des couleurs différentes, comme ça, comme ces vieux stylos qu'on appelait pantabilles, mais on ne savait pas ce qu'il y avait dessus. Mais il parlait son film, Nicole, elle parle son film. Piala, il est arrivé d'écrire, mais il avait beaucoup de mal. C'est aussi, les grands metteurs en scène ont aussi des pans d'impuissance, hein. Ont des manques, des failles. Et pourtant, c'est dans l'écriture, dans la chair de l'écriture aussi, que je trouve des idées, des intuitions, des mots, des dialogues aussi. Il faut que les imaginaires soient suffisamment proches et suffisamment différents pour que quelque chose d'intéressant advienne. Voilà. Il faut qu'il y ait une parenté et une différence. Nous avons fait un entretien avec Nicole Garcia pour présenter son film fin janvier, quand elle est venue présenter son film ici à Montpellier. Et dans le cas de cet entretien qui a été mené par Nathalie de Gouzon de l'Andocroussion Cinéma, on lui a demandé son quotidien d'écriture avec Jacques Fieschi. Ça dure 2 minutes. Je vous passe cet extrait et je pense qu'on aura la réponse de cette réalisatrice sur l'apport du scénariste
à la réalisatrice qui, bien sûr, elle aussi a son imagination, mais là, on va comprendre la place primordiale et centrale du scénariste. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Jacques Fieschi quand j'ai commencé à écrire mon premier film et de le garder et de découvrir en lui tout de suite la personne qui était pour moi la meilleure, la plus juste. Je ne sais pas, parfois on me dit que c'est parce qu'on nous sommes nés dans la même ville, sans nous y connaître d'ailleurs, que ça nous a donné, alors qu'on est différents dans la vie, enfin on a des grandes différences et des très grandes communautés, mais en tout cas on écrit sur nos grandes communautés ou des correspondances très intimes qui m'étonnent moi-même, enfin que je ne fais qu'éprouver et qui fait que les choses ont un tel on ne sait pas comment en écriture on pourrait dire, elles vont de soi avec lui, voilà. Je lui raconte des choses, je n'ai pas de pudeur, je n'ai pas d'inhibition, il n'en a pas avec moi. Souvent, le désir d'un film est venu de moi jusqu'à présent, ça peut changer, mais c'est venu de moi. Et on l'évalue ensemble, on se dit qu'est-ce que ça contient, on fait sonner quelque chose, on dit oui, ça contient un sujet, ou alors on en doute, mais enfin, plus souvent ça contient un sujet. Et maintenant, comment on va le raconter? Et je pense que c'est une chose qui est, oui, encore une fois, je le dis, je me répète, mais qui est rare de rencontrer quelqu'un qui, à la fois, qui s'exprime lui-même et qui, en même temps, vous accouche de vous-même. Voilà, c'est deux choses en même sens, c'est ça, un scénariste pour un metteur en scène. Et je pense que c'est une confiance mutuelle qui, avec le temps, s'est renforcée et qui fait qu'on va plus vite maintenant. Vous me mettez alors combien de temps on mettait à écrire, mais ça peut. Il me semble qu'on va de plus en plus vite. Je sais pas, comme si on pouvait faire l'économie maintenant de beaucoup de toute une marge qu'on devait prendre avant. On va plus vite à l'essentiel. Voilà, c'est la grande rencontre que j'ai faite dans le cinéma. Il peut y avoir aussi d'autres formes de collaboration, parce que là, en plus, on était amis intimes, donc ce qui est dangereux d'ailleurs, travailler avec des amis intimes, parce que ça peut, l'amitié peut grincer aussi parfois à cause de ça. Tout n'est pas d'ailleurs idyllique dans notre collaboration. Il y a des moments aussi où on s'oppose, il y a des frictions, mais enfin bon, ça a traversé avec les années. Mais il y a aussi des rapports plus brefs qu'on a ou moins intimes, ou moins amicaux, avec des metteurs en scène et qui donnent de bons résultats. Quelqu'un comme Sautet, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup vu dans ma vie parce que j'ai fait 3 films avec lui et que l'écriture était extrêmement longue. Mais il venait chez moi pour travailler, et puis après, en fin d'après-midi, il rentrait chez lui. Et de temps en temps, il y avait un déjeuner où il me posait une question personnelle. Et puis sa BA, si je peux dire, est en fait, c'était pas un rapport d'intimité amicale. Et pourtant, il y avait une collaboration qui était heureuse. Non, voilà, il y a tous les cas de figure, il y a tous les cas de bonnes surprises, de déceptions dans le cinéma, il faut les accepter, et il faut accepter ces difficultés, ces aléas. Voilà, et il faut se dire qu'on n'est pas devenu complètement fou depuis la semaine dernière. Je voulais, et Jacques, tu peux ne pas réagir, juste citer quelques lignes de l'avant-propos du livre de Jacques Fieschi qui est sorti tout récemment, « Ne m'a pas dit d'aimer le cinéma », qui est un recueil de nombreux textes sur des réalisateurs, sur Sacha Guitry, sur Vincent Minnelli, sur Jean Renoir et d'autres, parus dans la revue Le Cinématographe que je vous avais cité en introduction. Jacques, tu parles des différents journalistes, critiques, historiens qui ont travaillé au cinématographe. Et puis, au fil des années, vous avez quitté la revue. Certains sont devenus réalisateurs, d'autres scénaristes. Et tu dis, plus tard, certains d'entre nous ont fait du cinéma. Ils ont écrit, produit, réalisé. Nous avons quitté l'aquarium, le bac d'images de la revue. Mais peut-on faire de la critique plus d'une dizaine d'années sans se répéter, réécrire le même article ? Il faut bien répondre à ce qu'un cycle de la vie soit accompli et qu'une espèce d'innocence s'achève. À se retrouver dans la cohue d'une profession, on se souvient parfois que le goût du cinéma a fait de nous des enfants à vie.
et je voulais le relier à ce que tu nous as dit tout à l'heure, sur ce plaisir aussi de spectateur que tu as, et sur cet éblouissement qui fait qu'on oublie toutes les étapes de fabrication du film, voilà, et avoir cette émotion. Ça, je pense que à travers, oui, cette espèce de cette piétaille perpétuelle de l'écriture et de la réalisation de films, de garder cette passion et cette fraîcheur du regard. Enfin, moi, je l'ai toujours.